Mopé adresse moi à un camarade non teaching. Il y a une collègue dans qui est pipe, côté les recteurs, fait une demande à un non teaching staff, vient travailler sous menace. Si je n'ai pas venu, je te la paye pour couper. Sa collègue là, nous fait mettre plusieurs cas contre lui, pour abus de pouvoir, pour maltraitance envers un travailleur dans le bureau de travail. Et il n'a pas de cas pour quoi aboutir. Et sa même recteur nous fait expulser lui au niveau de l'Union. Et sa recteur là avait persisté. Alors, mot d'ordre qui a psypé donné à tout le monde teaching staff, tant ou pas gagné ou work access permit, ou n'a pas à le travail. Responsabilité pour gagner work access permit, lui réside le l'employeur, pas où. Si ou al travail sans work access permit et la police arrête tout, c'est où qui vous paye la manne? Alors, mot d'ordre, c'est bien clair, tant ou pas gagne work access permit, ou n'a pas le travail, ou est sous la case. Deuxième chose, ban pratique qui est dans sa l'école là, vous arrêtez. Ok? Depuis longtemps, nous faisons écrire à l'autorité. D'ailleurs, PSEA connaît qui est à l'école là, qui comptait abus et non là-bas. Si nous pouvons écrire une lettre ministère, nous pouvons faire vite aujourd'hui même ou bien demain, nous pouvons dire qui est à l'école là, ça. Et bizarre prend action contre ça à l'école là, pour ça, ban abus là, arrêter, bizarre arrêter une bonne fois pour toutes. Alors, mot d'ordre, si vous voulez dire encore une fois, tant ou pas gagne ou work access permit, tout mon camarade non-teaching à travers Maurice ou n'a pas le travail. Quand vous gagnez work access permit, à ce moment-là, vous avez besoin de travail. OK? Et après, le ministère dans ce communiqué, il dit on est roster basis. Mais ça, nous pourrions ça plus tard. Donc, mon camarade non-teaching, guette bien. Tant que vous n'avez pas gagné votre work access permit, pas prendre le risque pour quitter votre la case. Vous espérez que je ne bien comprends. Et suivre mon dos de l'union de l'EPSI. Merci.